Il a eu un projet, il a su mener son projet, la longévité de l'orchestre en 10 ans. Il a eu des départs d'abord dans une entreprise, les gens partent, mais par contre, lorsque la colonne vertébrale y est, donc son idéologie, sa politique, aussi bien qualité et ses objectifs, ils sont, donc en gros, oui, on peut toujours y faire. Sauf que le roga-roga de ces dernières années qui tend maintenant la main aux jeunes, mais sous condition, hein, aujourd'hui, moi, c'est ce que je vais le reprocher aujourd'hui. Je pense qu'il peut faire mieux, mais sauf qu'aujourd'hui, le roga-roga d'aujourd'hui, il tend la main à celui qui le reconnaît comme étant chevalier. Vous voyez, ça dit que grand maître. Mais sauf que il est aussi celui qui va ignorer les talents en devenir, qui va ignorer aussi, mais totalement, les autres, et il est capable aujourd'hui d'aller valoriser quelqu'un qui n'a ni tête ni queue. C'est aussi un problème. Lorsqu'on est leader et qu'on aime ce pays, on ne peut pas continuer à avancer sans pourtant aller susciter l'héritage. Parce que l'homme passe les œuvres. Ces œuvres resteront, mais sauf que ces œuvres auront besoin des interprètes. Ces œuvres auront besoin d'une continuité. Sinon, l'œuvre s'arrêtera après l'auteur. Vous voyez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, en RDC, les gens se revendiquent. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, vous avez des gens qui se revendiquent de Rédi Amissi. Il est encore vivant. Mais si vous écoutez des chansons d'un garçon comme Bounafide, qui a interprété presque et la voix, et la thématique, et l'orientation de Rédi Amissi. On a vu aussi cette reconnaissance, aussi ce clin d'œil de Fabregas sur Rédi Amissi. Donc, vous voyez que et peut-être qu'ils ne sont pas ces musiciens, mais qui ont été bercés et par cette musique, par cet angle-là, et ils ont appuyé l'angle. Donc, moi, je pense que Roga Roga gagnerait dans sa démarche en fédérant autour de lui, en impliquant. C'est pas dire, en n'ayant pas des amis, mais en faisant de telle sorte qu'il y ait des alters Roga-Roga sur le marché et qui puissent mettre en fait un système d'émulation. Parce que nous avons un problème de concurrence chez nous. Parce qu'en fait, nous, quand on parle de la concurrence, on pense que la concurrence se confond à la confrontation. Et donc, la confrontation se confond aussi à la détestation. Sauf que la concurrence est un élément déclencheur de la bonne santé, de la structure d'un pays et des qualités et des talents d'un pays. Donc voilà ce que je peux le reprocher. Après, de l'autre côté, il a fait ses œuvres. Nous pouvons aujourd'hui s'asseoir et passer une nuit de 20 h à 5 h du matin, ne dansant que sur des œuvres et des chefs-d'œuvre de Roga Roga. Oui, je le reconnais. Bangkok a donné aussi, a été aussi ce qu'on appelle aussi, qu'on appelle ça. La révélation de l'artiste, c'est-à-dire qu'un artiste, c'est celui qui va créer des choses, qui va oser l'inattendu et en imposant en fait une interprétation sociétale qui aujourd'hui va, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment j'ai dit ça, qui va aller calmer les émotions, voilà le mot, qui va aller calmer les émotions. Donc avec Bokoko, il a réussi à faire ce changement de temps en comprenant que ils ont fait le tour en s'assimilant à Wenge Musica et aujourd'hui, il faut prendre une autre orientation et ce changement de politique et d'orientation lui a été bénéfique. Et sauf qu'aujourd'hui, il fait ses beaux jours sur le marché et sur la place internationale. Alors, Monsieur Dieudonné, à toi la parole. Oui, je disais que je vais commencer par contredire ce que mon frère a dit, hein, sur Roga. Moi, je ne peux pas accepter d'être DG d'une entreprise et d'avoir un collaborateur qui n'acceptera pas mon titre de DG. Un collaborateur qui n'acceptera pas que moi je suis son DG, c'est un rebelle. Je ne peux pas faire chemin avec lui. Donc, je pense que cet argument n'a pas de place dans le. Il faut reconnaître que Roga aujourd'hui est resté le consensus depuis les années 90, depuis les années 90 jusqu'à nos jours. Roga est un musicien qui a cessé de jouir des coups et qui s'en sort toujours.
Et ça n'a toujours pas été facile pour nous. Regarde, aujourd'hui, pratiquement l'ennemi de tous ces musiciens-là, ou de tous ces orchestres-là, il suffisait juste, hein, comme vous l'avez vu avec moi, ils disent, bon, je suis le 8 mars, c'est tout le monde qui voulait le 8 mars, parce qu'il est, comme un peu l'unité de mesure des autres musiciens congolais. Tout le monde veut se mesurer à lui. Tout le monde veut connaître si vraiment, aujourd'hui, c'est pour savoir s'il est. S'il a atteint un certain niveau, il doit vouloir se frotter à Robin. Bien. C'est le seul qui porte haut nos couleurs à l'extérieur du pays. Et aujourd'hui, avec la musique qui a changé, la musique qui se voit maintenant sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, Roga est devenu le roi en matière de vue. Donc, je ne peux que dire chapeau à ce musicien. Et quand Aristide parle de Doukopa en disant qu'il est peut-être en fin de règne, et ainsi de suite. Mais finalement, pourquoi Roga n'est pas en fin de règne? Ils sont tous de la même génération, alors. Ils sont tous de la même génération. Pourquoi Roga n'est pas en fin de règne? Je pense que ça aussi, je n'ai pas soutenu cet argument-là. Moi, je pense qu'il y a un manque de constance, il y a beaucoup de choses à soulever. Il y a beaucoup de choses à soulever. Quand un musicien ne veut plus se vendre, un musicien ne veut plus travailler, ça se voit. Sinon, si aujourd'hui, Doukopa décide de redevenir le Doudou Kopa d'avant, il le fera. Je dis bien qu'il le fera. Johnny Hallyday, jusqu'à quel âge il a été constant? Donc, chapeau à Okaroga encore une fois de plus. Et à Tonon Nzung encore qui va terroriser les autres albums qui sont sur le marché. Définitivement, qu'est-ce que tu peux dire sur Bokoko? Bokoko. Bokoko aujourd'hui, ce que je peux dire de Bokoko, c'est quoi? Bokoko est un titre qui a révolutionné la musique congolaise. C'est un titre révolutionnaire. Bokoko a révolutionné la musique congolaise. C'est du jamais vu. C'est un son extraordinaire. Sans animation, sans instrument, juste avec le piano. Je vous jure que ça sort de... Non, écoutez, les mots me manquent. Les mots me manquent. Il faut être un artiste inspiré. Il faut être un grand artiste pour avoir ce genre d'inspiration. Chapeau encore. Et en voilà les résultats. Plus de 30 millions de vues. C'est mérité. Roga Roga mérite ses vues qu'il a pu obtenir sur Bokoko. C'est un artiste exceptionnel.